Alors, aujourd'hui, on va vous filmer et vous essayer la Mercedes Vito de quelle année? De 2019. De 2019. Moteur en routeur, rue vite. Alors, ici, tu vois le petit bouton. Ouais. Comme c'est une automatique, on va juste la mettre sur marche arrière pour y aller. Et alors ici sur le tableau de bord, directement on voit la caméra de recul avec une caméra au-dessus aussi. Ouais. Bien pratique, il fait le tour de la voiture. On a une vue à 360 degrés avec ça. Et on fait notre petite marche arrière en toute sécurité. Et ici, comme vous voyez, ça sent d'habitude le cadre, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est presque parti. C'est presque parti. Voilà, en route. Il n'y a rien. On est dans un petit bled paumé, sans réseau à l'intérieur, mais très sympa quand même. On est à Conneux, non loin de Simet. Sous la main, alors je voulais filmer. Comme on l'a dit, Mercedes Vito 2019 automatique. Combien de chevaux? 120 chevaux, me semble-t-il. On a quand même une belle puissance. Même si ça n'a pas l'air, franchement, niveau ressenti, quand on accélère, ça part assez bien. Agréable à la conduire, bonne tenue de route aussi pour un grand véhicule comme ça, elle est vachement stable aussi, donc ça c'est chouette. Une question que Martin me pose, l'automatique, moi j'ai pas l'habitude de l'automatique, donc j'ai toujours une petite préférence pour la manuelle en termes de sensations, mais ça se conduit très bien, mais moi c'est pas ce mode là que j'opte d'habitude, donc je suis pas le plus fan des automatiques, mais bon voilà, on s'y fait quoi. Droite ou gauche, qu'est-ce que t'en penses ici? Droite? Est-ce que tu veux qu'on teste une petite accélération? Ouais. Tu veux que je ferme les fenêtres pour le vent? Ouais. Alors je connais pas trop la route à droite, on va voir un petit peu. Allez, la machine est lancée à toute puissance, à toute vitesse aussi. Ah, ça passe les vitesses assez vite. C'est pas au Timé ou à la neuf. Exactement. Hop. Et là, on n'a pas parlé de la capacité de stockage à l'arrière qui est assez importante. Oui. Voilà. Elle est assez bien optionnée cette voiture. Et elle est grise métal. Très bien. Bien. Et il y a le Bluetooth. Ouais. Alors on a l'option Bluetooth, GPS, tout ce qu'il faut. GPS. Que t'as pas encore essayé. Non. Et alors ouais, on n'a pas parlé du pad central ici qui est tactile. Qui est tactile. Je sais pas si tu arrives à le filmer. Pas moi. Ouais, moi non plus, c'est pas le truc où je suis le plus fan parce qu'il n'y a pas beaucoup d'indications dessus, donc c'est pas très intuitif au départ. Mais... Et on a le frein à main automatique aussi. Exactement. Qui se met quand on met
rien à faire et c'est déstabilisant quoi. Voilà, ouais exactement. Bah, quand on s'arrête en fait, dès qu'on arrête de conduire, bah, le frein à main se met automatiquement ouais. Quand on se met en neutre. Et puis après il s'enlève quand on redémarre quoi. Dès qu'on met la marche arrière ou la marche avant, il s'enlève automatiquement. Donc il n'y a même plus à toucher le bouton. Même si le bouton est là, on n'a plus rien à faire et c'est tout automatisé quoi. Et ça t'aime pas. Et ça, ça plaît à certains et moins et à d'autres. Pas d'autres. Voilà. Et start and stop aussi, on n'en a pas parlé. Start and stop. Évidemment. Mais ça, il y a sur de plus en plus pour de voitures. Cette année-là, c'est bien parce que ça, en 2020, ça s'est commencé, mais. Sur toutes les voitures, mais encore il y a peu on n'avait pas ça ouais. Et là on entend bien ouais. On n'entend rien quand les vitres sont fermées là ouais, ça on en a pas parlé non plus, c'est vrai qu'on a une bonne insonorisation exactement. Je pense, hein. Quelque chose comme ça. Oui. 41
31 000 il me semble. Donc elle n'a pas été utilisée pour faire des très très longs trajets. Elle n'a pas dû descendre souvent vers le sud de l'Europe à mon avis cette voiture. Elle reste sur les routes belges quoi. Oh non. Quoi? Il nous dit de faire demi-tour. En fait il nous emmenait jusqu'ici pour faire un demi-tour quoi. Donc toute la route qu'on vient de faire, en fait ça ne servait à rien. Super. On va devoir la refaire. Ça arrive souvent en météo. Ouais. Écoute, je vais me mettre là pour faire mon demi-tour. T'as mis Waze? Ouais, j'ai mis Waze, mais c'est Waze qui m'a dit de faire ça, donc écoute, il m'a bien eu. Waze m'a bien eu. C'est qu'il n'y a pas de chemin pour rentrer. Ouais, mais tu vois, si j'avais vu ça plus tôt, j'aurais fait demi-tour plus tôt, mais... Là, je ne sais pas. Caméra de recul, encore une fois, et alors quand on démarre aussi, même en marche avant, on a la vue du dessus, et la caméra avant aussi, il n'y a pas que la caméra de recul, il y a aussi arrière. La caméra avant. Ah ouais. Et voilà, on a la position en temps réel sur la route, c'est magnifique. Mais ça se coupe assez rapidement évidemment, dès qu'on prend la vitesse. Pour ne pas obnubiler le conducteur quoi. Ouais. Et oui. Pour son année, je trouve qu'elle est trop bien. Ouais. Par contre, le désavantage forcément d'un gros véhicule comme ça, c'est que si on croise quelqu'un sur cette route, on va devoir mettre des roues dans le champ pour pouvoir passer. Je sais pas comment faire. Il y a un bon son de radio, mais malheureusement, je peux pas vous le faire écouter, sinon je vais me faire striker la vidéo, j'ai pas très envie. Je peux vous le dire que parfois, on met la musique à fond. Quand on filme pas, et alors là, ça déménage. On se fait saigner les tympans, Martin, voilà. Ouais. Il y a un réservoir de combien de litres? Ah, ça c'est difficile à dire, mais on a déjà fait un bon, à mon avis, un bon 500 km depuis le début de la semaine. On n'a pas encore fait le plein, là on a un peu passé la moitié du plein quoi. On a la moitié du réservoir, on a vidé la moitié du réservoir. Donc, il faudra quand même aller le faire. On va aller le faire, mais franchement c'est un réservoir qui est assez grand visiblement. Et alors aussi, on n'a pas parlé de ça, mais la consommation instantanée, elle est à peu près de 6,5 litres, 7 litres au 100. Ça on en a pas parlé, mais donc c'est peu, c'est un diesel, on l'a pas dit non plus. Ouais. Et franchement 6 litres et demi à 7 litres au 100 de moyenne pour une voiture de ce poids là, c'est franchement bien quoi, je trouve. Ouais. Et nous revoilà sur le bon chemin. Vas-y. Carrefour dangereux qui est passé. Et des petits lacets. On aura eu de tout, hein. On aura eu de tout. Des accélérations, des petits lacets, des descentes, des montées, des demi-tours, des marches arrière. Des perdus. Voilà, un chemin perdu. Et surtout du plaisir de conduire et des beaux paysages. Voilà. Et je pense que je vais revenir en vacances avec cette organisation-là. J'y compte bien. Mais malheureusement, c'est dans 2 ans. Ah, il y aura d'autres occasions pendant l'année. Hein. Et on te reverra peut-être sur la chaîne YouTube. Eh ben, avec plaisir. Hein. Pour filmer la e-tron. Ouais, peut-être la e-tron, ouais, quand elle arrivera. Parce qu'avec les degrés de... Avec le
devient pénible à voir à cause des pénuries de tout ça. Ici, c'est la dernière accélération pour votre plus grand plaisir. On ne sent rien. On sent rien du tout. C'est vrai qu'on peut rouler assez vite avec cette voiture et on sent absolument rien. Pas s'en rendre compte. Ouais. Faut pas s'endormir sur le champignon. Ah purée, est-ce qu'elle a régulateur de vitesse? Ouais, elle a un cruise control. Tout à fait. C'est comment le nom du... Gîte de Choquenay. Le gîte de Choquenay. Voilà, là où on est en vacances. Merci de nous accueillir si nombreux parce que... Vous ne le verrez pas. Mais on est nombreux quand même. Et nous revoilà arrivés au zip de Saguenay. Vous voyez, il n'y a rien comme un. On est au milieu de nulle part. Voilà. Il freine à zémer. Automatiquement. Voilà. Allez, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Merci à Jérémy pour m'avoir accompagné dans cette voiture.